Au final, ce sont des personnages attachants, des monstres ou des robots. Au départ, tous étaient bien plus palots. Voici le cadeau tendance pour ce Noël. On les appelle des Art Toys, de petites figurines à décorer soi-même. Reportage à Montpellier de Jérôme Régali et Franck Chassagnon. Prenez un lapin blanc, un peu de peinture. On prend un pinceau et hop, c'est parti. Ensuite, il suffit de laisser son imagination agir, c'est le concept du Art Toys. C'est marrant, ça fait rire tout le monde et ça étonne. Après les murs, après le dessin, on fait ça sur des toys. Alors c'est pas des jouets, c'est des figurines, hein, je précise. Mais ce qui est bien, voilà, c'est que ça nous change, quoi. Et les supports sont multiples, du lapin au cochon en passant par le bébé. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Les premiers qu'on peut trouver, c'est ceux-là qui sont aux alentours de 9-10 euros. Ensuite, on va trouver des plus gros, ceux qui sont customisés, qui sont dans les 35 euros en règle générale. Le prix peut atteindre plusieurs centaines d'euros pour certaines figurines imaginées par les stars du Art Toys. Venus du Japon, ces jouets customisés ont conquis peu à peu toute la planète. Il y a plein de pays qui font ça. Et c'est une énorme communauté sur Internet. Tout le monde partage, tout le monde montre ses propres créations. Mais attention, vous êtes prévenus, une fois que l'on a goûté aux Art Toys, impossible de s'arrêter.